Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui au programme, c'était petite balade mère-fille avec Chalil et Delia. C'était vraiment très sympa. Et puis les chevaux étaient juste exemplaires. Regardez qui va là. C'est sa vanne. Elle vit sa vie. Hein. Elle est trop bien. Ici. Sa vanne. Oh là là, oui. Elle est trop mousse, j'adore. Bon, du coup, on va chercher la bête. Là, il y a un peu plus de route que d'habitude parce que ma mère est partie chercher Chalil après de tout en haut. Et du coup, pour elle, ça fait un peu moins long de s'arrêter ici. Donc, pour une fois, c'est moi qui marche sur la route. Je suis désolée, mais si mon chat était aussi sportive, si Loupette courait autant. Elle n'aurait pas ce gros bidou là qu'elle a. Parce que vraiment sa vanne, elle est vraiment toute fine. Évidemment, c'est pas ma jument qui est là. La grosse, elle est tout au feu. Comme d'habitude. Ça va les gros? Ça va? Vous êtes au bar là, tranquille? Ouais. Pour une fois, Troubadour n'est pas collé aux fesses de Delia. C'est rare, hein mon gros? Mais oui. Voilà. J'ai rejoint le fauve. Le gentil fauve. Oui. T'auras un truc quand on ira dans la cour parce que il n'y a rien là. Il n'y avait rien dans la voiture. Faut qu'on fasse les courses. Il n'y a plus de pommes, plus de carottes. Ok? Tu nous pardonnes? Tu me pardonnes, c'est bon? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une balade avec ton frère, Chachou. Motivation zéro. Mais ça va quand même. Il y a des jours où c'était bien pire. En arrivant à la ferme, j'ai évidemment fait un bon pansage à Delia. Elle était beaucoup moins sale qu'hier, donc ça fait plaisir. Et évidemment, une fois n'est pas coutume, on met bien de la graisse sur les sabots, surtout ceux de Delia. Ils cassent très très facilement. Avec la sécheresse, bah, les sols sont beaucoup plus durs, donc les sabots cassent de plus en plus vite. Do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Et ensuite, je viens appliquer l'anti-mouche sur les parties sensibles. Maintenant, vous avez l'habitude, je ne vais pas le redire à chaque fois. Encore une fois, après, je viens lui appliquer le produit pour soulager ses ovaires. I guess I thought your style might grow on me. You're never really honest, made me guess. And now I want you far from close to me. Et après, dernier petit produit, c'est un petit peu de la crème qui hydrate et qui repousse un petit peu les insectes qui vont sur le nez des chevaux. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. J'ai également vu que Delia avait des œufs de mouche sur les antérieurs. Alors j'ai appelé ma maman à la rescousse et elle est venue avec un couteau à mouche, enfin je sais plus trop comment ça s'appelle, et ça fait un effet rasoir pour enlever tous les œufs de mouche parce que sinon c'est
un petit peu chiant et dégoûtant, surtout pour les chevaux, d'avoir des petites larves qui leur sortent des membres. Bon, et après, l'anti-mouche maison, je le mets en dernier pour être sûr qu'il fasse bien effet au moins la moitié de la balade. Et là, franchement, je suis trop trop fière et surtout trop contente parce que les images de la cambox sont assez réussies. Alors au début, elle était bien orientée, mais bon, ma petite maman chérie m'a demandé de la baisser un petit peu et du coup après on voyait que l'encolure de Delia. Non.
got a body like a model. You got a body that you always find. Open up a bottle, and baby, you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You like liquid honey, you like liquid honey. Après, donc, j'étais descendue parce que tout simplement, Chalil avait un peu peur des machines. Voilà, il y avait plusieurs trucs qui faisaient un peu peur et Delia faisait sa nouille. Donc, elle non plus ne voulait pas avancer. Donc, bon, je me suis dit, au lieu de galérer pendant une heure, je vais descendre. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, après que je suis restée 5 minutes par terre et franchement, ça m'allait bien de marcher un peu à côté de Delia. C'était sympa. Alors madame, comment trouvez-vous Chalil aujourd'hui? Il est un petit peu sur l'œil avec le vent, ça n'aide pas. Mais on a été courageux tous les deux. Oui. Non, t'as pas marché à côté. Allez, oui. C'est très mignon, première fois qu'il vient ici. Allez, faut que j'arrive à la côté de toi. Allez, Chalil. Voilà. Regarde que j'ai pour toi. J'ai des petites choses pour toi. J'ai des petites choses. Nélia, viens. Tu veux travailler?
Bah voilà, cette longue vidéo est terminée. Voilà, j'ai essayé de faire un petit vlog en vous montrant plein de petites choses. C'était vraiment très long, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos longues comme ça, mais j'espère que vous m'en voudrez pas et que vous regarderez aussi la prochaine vidéo qui sera la vidéo préparation de mes affaires à la mer. En tout cas, moi je vous dis bye bye, je vous fais de gros bisous. Très vite dans une prochaine vidéo. Salut!